Jusque-là, on était tranquille. L'autre jour, j'étais dans mon transat, devant l'igloo, à regarder voler les pingouins au-dessus de la banquise. Peinard, quoi. Ouais. Ouais, eh ben, il fait un bien beau temps d'arrière-saison, dis donc. Mais bon, comme je me connais, ça va pas durer. Ouais, les pingouins volent bas. Et puis soudain... Hein? Mais qui me parle? C'est moi. Qui ça, toi? Moi. Walter. Karine? C'est toi? Oui, c'est bien moi, Walter, c'est moi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Karine? T'as perdu ta voix? T'as l'angine? C'est l'ASMR, Walter. Hein? Quoi, sa mère? Qu'est-ce qu'elle a, sa mère? Écoute, je comprends rien, Karine. Je comprends rien. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as? C'est qui, sa mère? Mais qu'est-ce que tu me la bailles belle, là, Karine? Je pense. Autonome. Sensoriel. Culminante. ASMR. Bon, écoute, ça va bien 5 minutes, là. Mais c'est pas incurable, si? Tu peux quand même parler normalement. Je parle normalement. C'est toi qui hurles. C'est pas comme ça, l'ASMR. Oui, mais bon, je... Parce que, excuse-moi, qu'est-ce que... Karine, enfin... Calme-toi, Walter. ASMR, c'est la vie du podcast. Je ne suis pas seul. Nous sommes légion. Bientôt, tout le monde podcastera en ASMR. Ah bon? Tu sais que t'es pas loin de m'inquiéter, là, quand même. T'es confiance. Fais comme moi. Ouais. Tu crois vraiment? N'aie pas peur. Bon, ok. Mais on fait comment, alors? Fais comme moi. Comme ça. Ça va durer longtemps comme ça. C'est pour toujours. Pour toujours. ASMR, c'est la vie. Pour toujours. Bah écoute, j'imagine qu'on s'y fait. En fait, on s'y fait même plutôt bien. ASMR, Walter. Pour toujours. Ah oui. Oui, merci, Karine. ASMR. Et à partir de maintenant, on sera toujours tranquille. Jusque-là, on était tranquille.
Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Karine. L'inaudible.com.